tous les bidons dans les plaies de la maison. Ils se battent à coups de bons bidons chez Bobby et chez Babu et à Ludo. Papara, papa, papa, paraï, babara, babara, babara. Allez, allez, messieurs, dames, on envahit la piste. Allez, allez, c'est parti pour un tour, c'est parti pour un tour. Moby Dancing, Moby Dancing, Moby Dancing. La folie Lisa s'ancre dans la séquence janvier 2015, janvier 2016 et c'est écrit aussi dans une sorte d'urgence entre deux matins de janvier 2017 et 2018. Quatre femmes surgissent sur le seuil de la maison de Elle, l'initiale, Amy Manifold, une rockstar anglaise, Irini Santoni, une sculptrice grecque, Sarah Zygalski, une danseuse berlinoise et Ariane Seal, une actrice française. Toutes ont pris la fuite, quitté la scène. Chacune à sa façon a été traversée, terrassée par l'extrême violence de cette période-là. Je suis pas dangereux. Hein. Je suis à 2h36 de l'Espagnol. En TGV, ça fait Paris-Valence. À l'entraînement, et si je pars de Dunkerque, j'arrive à Lille à ma vitesse, à ma main. Ça y est, ça remonte. En danseuse, la dernière... Côte, si je me souviens bien, merde, on n'est pas loin de Nogaro, bientôt dans les Landes, et ça grimpe dur, dur, des quarts, des gamelles, des bidons, des bibis, des dondons, des quarts, des gamelles, mêle, mêle, des quarts, des gamelles, des bidons, oula! Les jambes, ce soir, le massage. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Y a-t-il un moment dans votre vie où vous êtes dit, maintenant... Maintenant, ça suffit. La frontière est franchie. Ma limite, c'est là, pas plus. Je suis vraiment désolé pour hier. J'ai un peu trop bu, je me suis un peu emballé. J'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner, pas du tout prévu de payer l'addition. Je voulais vous demander de me rembourser. Pour l'addition, t'es sérieux? Enfin, la division, du coup. Qu'est-ce que tu fais, là? Je t'invite. Je t'interdis de faire ça! Hors de question que tu payes pour moi. Tu saurais dire combien de fois tu l'as trompé? Je sais pas, peut-être 6 fois. Ah? Cette année. Cette année? Axel, c'est un barbare. Je suis sûr que même le jour de son mariage, il a eu le temps d'aller culbuter une cousine éloignée dans les bosquets. Ah merde, c'est pas le mien. Dis donc, c'est chaud les SMS d'Antoine. C'est pas Sylvie, ça vient d'une Jeanne. Non, mais... T'as un tire-bouchon? Ah non, ça suffit, prends-le. Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha pra molhar a tua cama e você dormir na minha. Dona Mariquinha da Fresa Humildina, seu Manuel da Flor de Limão. Dona Mariquinha da Fresa Humildina, seu Manuel da Flor. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu.
parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Quand je nous vois pousser, chacun et tous ensemble, chacun tout étonné, que tant l'on se ressemble et que tant l'on s'assemble. Quand je nous vois pousser, je sais la mort qui tremble de devoir rebrousser. Sandra, c'est pas le moment. Tu as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as amenée ici? Une robe de ex-femme? Ma mère, elle aimait bien les oiseaux. Tu nettoieras les cuves des sanitaires, les cuves des 7 sanitaires des 3 étages. C'est quoi qui se passe là? Y a un problème ou quoi? Tu es qui? Oui, vous êtes qui vous d'abord? Moi. Oui, t'es qui pour te foutre de ma gueule continuellement? Ça va bien 5 minutes alors? Alors? Alors t'es qui? Je suis qui? Oui, t'es qui? Dépêche-toi. La fée. J'ai une fée moi? Bah oui, ça arrive. Le prince de Wagram et de Normandie va chanter pour vous, ce soir, et en anglais, une chanson qu'il dédie à sa famille, et tout particulièrement à son père. L'amour en caserne, le cœur en guérite, le fort de Vincennes, les yeux de Marguerite, qui se déshabille derrière les grilles. 30 ans, les ponts et les chaussées, le temps fait le mort, et des mots croisés, mais pas un mot ne sort. Du style au bille sur la grille. Provence, Paris, quarantaine. Il n'y a pas que des jeunes. On va refaire l'intro avec une autre tenue parce que c'est pas possible. Alex ne veut pas de vrai chien, elle a l'idée d'offrir à sa fille un cadeau très spécial. Déçue par ce cadeau et fâchée contre sa mère, Alex décide de jeter toute cette peluche à la poubelle. Fais où ton stage de troisième? Chez Franck. Hey,
Avec vous? Je vois deux ou trois qui disent non, non. Oui, oui, avec vous. On essaye, vous avez les paroles? Hein? È il mio destino così. Lì. La danza, la danza. Que leur regard, rien que leur regard, c'est comme un poignard, c'est comme un poignard. Ils aiment la terreur, ils n'ont pas de cœur. Le Satan est pirate, Satan est pirate. Ah, ah. C'est pourquoi. Vendu. Combien tu donnes? Quoi? De l'argent, du fric, la thune, du flouze, de la caillasse, t'en as? Combien t'en as? Bah non, j'en ai pas. J'ai même pas l'âge d'avoir de l'argent. Les mains en l'air, c'est dans le doupe. Ah non, non. Ah, le top, vous voulez dire. Vous voulez tout l'argent de la banque, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as la frousse. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Alors, comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un, où il n'y a absolument aucun effet son et lumière, on a tout mis au début. Voilà, donc nous sommes réunis ce soir, mes frères et mes sœurs, pour faire un tour à la fois exhaustif et objectif de l'actualité de ces dernières heures, derniers jours, derniers mois. Alors, je ne sais pas trop où je vais, j'ai pris des notes, mais on y va. Et je vous préviens également
Je ne comprends plus rien au fonctionnement actuel du monde. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret ? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, Monsieur Turing ? Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plan. J'ai le droit de venir t'embrasser maintenant ? Quelque chose de terrible sous l'eau, dessous, là où c'est noir. Bill, j'ai entendu quelque chose. Bill ! Bonjour, oncle Bill. Francis. Chaud. Alors ça, c'est porte-malheur. Comme ça alors. J'ai qu'un seul dieu, c'est le vent sur la mer. Plusieurs déesses, la weed et la bière. Quelques hobbies pour passer le temps. Quand je m'ennuie, je m'évade sur de drôles d'instruments. J'aime la banlieue, j'aime le lit des rivières. J'aime voyager, j'ai tout au fond de mon âme. Une vieille blessure, au goût amer. Oh mais moi, je reste là. Oh les mains, je fais plus un geste. Si tu restes, je te dis même pas ce qu'on fera du monde. Et puis du reste, si tu restes, me laisse pas en reste. Je bouge pas de là, plus un pas. Je t'en supplie, je fais plus un geste. Si tu restes, je te dis même pas ce qu'on fera de l'amour. Et pour le reste, même si j'aime, même si je ne déteste, j'avance à l'aveugle, j'ai pas de devise. Toutes mes angoisses noyées dans la tise. Moitié routard, moitié lascar. Cascadeur, héros de sa vie en retard. Sur la nappe de la cuisine, je fais des dessins avec des miettes, de la farine, des graines de cumin. Sur la nappe du salon, je lèche mes doigts en regardant le glaçon qui fond devant moi. Sur la table basse, je rêve, je rêve d'une grosse glace à la fraise. Miam, 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 miam. Shellshock, en fait, c'est l'histoire de Rebecca, une femme qui est reporter de guerre, une femme plutôt aguerrie, et qui va se retrouver sur le champ de bataille en Irak en 2003, et du coup, qui va se retrouver confrontée, en fait, à l'attaque de son hôtel, l'hôtel où se retrouvent tous les journalistes, par l'armée américaine. Shellshock, c'est l'histoire de cette femme qui va se reconstruire, ou en tout cas se mettre face à ce qui a été compliqué dans le fait de couvrir la guerre, dans le fait de rapporter des images au monde, puisque le travail des journalistes, c'est de rapporter des images au monde, des images de ce que les gouvernements ne veulent pas montrer, en tout cas les forces en présence en guerre ne veulent pas montrer. I'm raining for the flowers that used to be. I'm raining for the shadows of me. I'm raining for a new sunlight coming along. I will wait. Traveling soul, where you gone now? Traveling roads, way down. Traveling soul, wherever you gone now? Travel the road safely home. Qu'est-ce qui m'angoisse? Les pièces qui durent 4 heures au théâtre. Je peux pas. Ouais, j'ai peur d'être mal assise au théâtre. En fait. Bof. Bah non, 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 non. Je me demande toujours comment je dois m'habiller au théâtre. Ça, c'est... J'y vais plus, en fait.
du coup. Ça fait du bruit, non? T'as encore les machines? Non, pas de ballon, là! Mais ce qui m'angoisse, c'est à la sortie d'un spectacle, la question « Alors, t'en as pensé quoi ?» Ça, ça m'angoisse. Après ça, je sais pas. Et puis, un autre truc, quand je vais au théâtre, par exemple, j'ai des remontées gastriques, ça me fait des aigreurs, donc je vais rarement au spectacle, à part au concert, parce qu'autrement, ça fait du bruit, quoi. Je n'aurais jamais cru qu'un enfant de 7 ans puisse manger autant. Il mangeait autant et plus que son père, mon mari. C'est une comédie. On rentre dans l'intimité de deux familles, les Walter, les Wilfried, qui vivent confortablement avec leurs enfants. Leur vie est réglée autour des repas, et surtout sans se soucier de la quantité qu'ils consomment. Le foie de veau de chez Wins, un bouquet. Tu me mets l'eau à la bouche. Qu'est-ce que tu nous as fait ce soir? Il y avait aussi des anchois dans la salade. C'était une grosse salade. Il y a du thon, des tomates et du tourteau. Et il y avait aussi des anchois dans la salade. Et puis, en contrepoint de ces deux familles, il y a le boucher, M. Chevillard, qui, depuis sa boucherie, commence à lancer des petits avertissements sur l'avenir qui se prépare si on continue à consommer autant. Enchantée. Moi, je m'appelle spécialiste Socratine. Alors, nous avons décidé, comme nous sommes des professionnels, de vous organiser. Les intelligents, oui. Vous allez aller là. Et ceux qui sont amoureux, vous vous mettez là. Oula! Et les Amériques, elles ont été découvertes par... Ils sont intelligents. Comme vous êtes forts. Mais comme vous êtes cultivés. Oh waouh! Mais... Oh là là! Grenade! Ils savent tout! Vous pourriez être guide. Ah, d'abord, c'est un viking qui a découvert. Mais après, c'était Christophe. Oui. Et on peut lui dire bonjour. Salut Christophe. Salut. Alors quoi, Hélène Ségara? Non, parce qu'on est tous d'accord, au début c'était pas mal. Mais après, Hélène Ségara. Pourquoi dire amène à tout alors que la société amène à rien? Pourquoi je me pose toutes ces questions, papa? Il y en a qui vivent des bas. Moi, jeux vidéo. Commencer un régime tout de suite ou finir comme Régine plus tard. Appelez-moi tout simplement mon Dieu. D'accord, monsieur mon Dieu. Je veux une activité. Mais vous n'avez donc aucune passion? Les passions, je laisse ça à mon fils. Lui, il en fait collection. Eh bien, voyons ça. J'avais commencé par un cube, mais j'ai pensé à ceux qui allaient être assis sur les coins.
j'aimerais voir si c'est beau, vu d'en bas ou de là-haut. Un beau jour je partirai loin d'ici-bas, j'oublierai ton visage et la douceur de tes bras. Sounds like baby patter. Baby elephant patter, that's what I calls it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's just too much feet. Yes, your feet's too big. Le trio Musica Humana est le fruit de la rencontre de trois jeunes chanteurs issus de la maîtrise Notre-Dame de Paris. Alléluia. Tous trois passionnés par la musique de la Renaissance, ils continuent à valoriser et à défendre ce répertoire d'un temps ancien. Yes! Madame,